Bonjour à tous, bonjour à toutes, euh, bienvenue dans ce euh, nouveau petit direct euh, avec les étudiants de l'IEX qui sont avec nous, euh, avec lesquels je travaille euh, toute cette, euh, cette semaine-ci. On travaille sur des notions de relations publiques, on travaille sur des notions de communication. Ce sont des étudiants qui sont en dernière année de master euh, à l'IEX à Bruxelles. Euh, bah forcément pandémie oblige et reconfinement oblige on travaille euh, tous à distance et j'en profite pour euh, leur faire rencontrer des gens que je trouve euh, particulièrement intéressants particulièrement euh, voilà en, en avance sur leur temps aussi des gens euh, des pionniers qui, euh, qui font des trucs que je trouve euh, vachement vachement euh, inspirants voilà c'est un peu ça c'est un peu ça l'idée et plutôt que de le garder rien que pour nous bon, on le fait on le fait euh, partager avec la communauté salut euh, salut Romain sois le bienvenu euh, salut Philippe Bonjour à toi. Salut Damien, ça va Ça va bien et toi. N'hésitez pas euh, dans, le, dans le chat si vous, euh, voilà, si vous avez des réactions, si vous avez des questions, si vous avez envie. Euh, voilà Philippe euh, qui, est, qui est avec nous depuis le Portugal, si je ne me trompe. Oui, ouais, toujours. Euh, on part demain. On rentre, on, on vient ah. vers le nord où il fait froid. Euh, <laughs> okay. ouais. euh, tu es, tu es depuis déjà un bon bout de temps maintenant, les, les deux mains dans le cambouis. Tu fais partie de ceux qui. Alors nous, on se connaît depuis. Ça fait, ça fait boomer, hein, pour le coup. Ouais, on euh, ne ouais. va pas le mentionner. pas le mentionner. Depuis, depuis, depuis euh, 20 ans, je pense. Et ça fait une bonne quinzaine d'années. Écoute, de, de, Damien, tu avais quoi. encore des cheveux et moi, je vais pas encore <laughs> une barre. Voilà. Ça situe un peu le, ça situe un peu le, voilà, le level. C'est euh, euh, est, est intéressant parce que on, nos, nos chemins se croisent à, à, à épisodes réguliers, comme ça, et puis on voit que chacun en bouge, on fait des trucs de notre côté. Il y a, y, a, y a chacun, je pense, une, aussi une, une vision partagée sur ce que les technos, sur ce que les outils, sur ce que le, la communication, de manière générale, euh, peut apporter en termes d'impact. Et ta spécialité à toi, ce sont les relations publiques et en particulier euh, les moments de crise qui sont des moments importants à gérer en termes de communication, en termes de communauté aussi. Et ça tombe bien puisqu'on est, on est sur, euh, là sur Twitch dans un espace qui est éminemment communautaire et donc euh, euh, où tout l'enjeu c'est pas qu'on soit tous les tous les deux tout seuls à causer donc euh, n'hésitez pas si vous avez des euh, si vous avez des questions si vous avez euh, des euh, voilà des réflexions des envies des choses qui vous passent par la tête par rapport justement à la communication les étudiants aussi vous n'hésitez pas euh, dans le chat à, euh, à réagir euh, et à poser vos questions à Philippe voilà peut-être dans dans un premier temps nous expliquer un peu ton ton parcours euh, ce que tu fais, tout tu viens et qu'est-ce que tu fais de beau, au Portugal. Oui, <laughs> oui, euh, ben, ben, comme vous tous, j'ai étudié les, les relations publiques, mais il y a très, très, très longtemps. Euh, et euh, j'ai commencé en agence de relations publiques, une agence qui s'appelle Portugal Valley, euh, qui dans le temps avait juste euh, commencé une petite euh, agence à Bruxelles, euh, comme c'est une boîte américaine. On a commencé à 5. Euh, quand je suis parti de là, 4 ans après, on était à 60, je crois. Euh, c'était le boom des, des agences euh, à Bruxelles, euh, place de Luxembourg, tout près du, du Parlement, etc. Donc, c'était dans le Brussels bubble, comme on dit. Mm -hmm. euh, après, je suis bougé euh, vers l'interne. Donc, je veut dire que j'ai repris le rôle de euh, public relations manager au sein d'IBM. Euh, IBM qui. À ce moment-là, en Belgique et Luxembourg, était une boîte de 3000 personnes, je crois. Euh, et là, j'ai euh, repris euh, oui, euh, les, ce qu'on appelait les corporate communications, hein, donc tout ce qui était euh, communication institutionnelle euh, pour tous les, les départements. Ça, j'ai fait pendant presque 10 ans. Et euh, après, j'ai passé six ans dans un environnement tout à fait différent, une entreprise familiale flamande, très flamande, mais un groupe international aussi, quand même, euh, où euh, j'ai reçu le beau titre de, de Chief Social Media Officer. Euh, okay. On parle de, de quoi On parle de 2009. Euh, et. Euh, il faut remettre peut-être ça dans un contexte. C'était quand même, Damien, tu te souviens, euh, les médias sociaux, oui, mais on ne comprenait pas très bien encore dans le contexte des entreprises. Et là, je suis quand même tombé sur un, un président du groupe, âgé de 65 ans, qui avait déjà compris l'impact potentiel. Donc, euh, j'avais le luxe de rapporter directement au président du groupe. Et euh, j'ai passé euh, six ans à, à intégrer, au fait, les les réseaux sociaux, les social media dans, dans les départements, dans les fonctions. Donc, euh, on, on a regardé comment ça allait fonctionner dans le département marketing, obvious, euh, mais aussi dans les ressources humaines, dans la communication interne, dans la collaboration, etc. Et après, je suis parti. J'ai quitté euh, le petit pays euh, et j'ai vécu euh, quatre ans au Maroc, où là, euh, assez vite, je suis devenu euh, consultant indépendant. Euh, et maintenant, je suis euh, au Portugal euh, depuis presque trois ans, je crois. Et je continue en tant que consultant euh, en relations publiques. Mais là, depuis cinq ans à peu près, je suis spécialisé en communication de crise et de risque. Et quand on parle de risque, en plus, je suis spécialisé dans la com' de risque euh, dans le contexte des épidémies et des pandémies. <laughs> voilà. On va, on, va, on va dire ça comme ça, sans, sans citer forcément euh, les gens avec qui tu bosses, mais c'est vrai que c'est un ouais. contexte particulier, c'est pour le coup euh, euh, en termes de gestion de crise, oui, <laughs> il y a un paquet de choses à faire. Euh, salut, c'est Vlog, coucou dans, dans, dans le chat, n'hésite pas à, voilà, à poser tes questions à Philippe, qui Philippe, travaille dans les relations publiques et notamment les, euh, les relations publiques de, de crise. Comment euh, Comment tu juges, puisqu'on a des étudiants avec nous qui sont là, euh, en particulier, euh, ils, vont, ils vont se retrouver dans, bah, dans le bain dans très peu de temps, ouais. euh, vo voire, euh, voire même euh, quasiment euh, tout de suite, puisqu'ils vont partir en stage dans les, euh, dans les semaines qui viennent, en, en, en tout début de l'année 2022. Il y a, y a eu, bah, forcément, cette pandémie qui a changé beaucoup de choses, mais il y avait déjà des choses qui avaient commencé à bouger avant, il y avait déjà un mouvement de fond dans les relations publiques qui s'est amorcée ces dernières années alors y a, dans la continuité hein, de, 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 de la plateformisation dans la continuité de euh, le fait de mettre les communautés au centre mais ça c'est quelque chose qui aujourd'hui euh, si on n'a pas une communauté en fait on n'a pas de produit on n'a pas de service je crois qu'il y, y, y a deux moi je trouve surtout pour les étudiants qui comme tu dis ils vont faire des stages après ils vont chercher un boulot il y a mm -hmm. deux choses, je trouve que, euh, comme tu dis, hein, déjà avant euh, la pandémie, mais qui, je crois que cette pandémie a servi un petit peu comme euh, euh, comme un système qui focalisait ça. C'est de un, le changement dans le, le métier et, et l'industrie des relations publiques. Je mm -hmm. crois qu'on est, vous avez une opportunité énorme euh, parce que euh, le monde des agences, par exemple, et aussi au sein des entreprises a complètement changé. Euh, et, et on le voit. Donc déjà, l'industrie ou la profession n'est pas en crise. Il n'y a, a jamais eu autant de demandes pour des, des, des gens, des professionnels de communication. C'est déjà quelque chose de très bien. Euh, en même temps, et ça, c'était un trend qui a commencé avant, on a pris conscience que les grosses agences, les gros départements au sein des entreprises devaient changer. Mm -hmm on en arrive quand même, on a de, de, de très bons cas d'études euh, de réseaux virtuels de consultants, ce qui est quand même autre chose. Ce qui veut dire que quand on est un client, une entreprise, on a besoin de support en, en relations publiques, au lieu d'avoir un gros département au sein de l'entreprise ou d'aller chez les grosses boîtes, on va, euh, on va engager des réseaux très fluides euh, de consultants indépendants selon leur spécialité. Okay. Euh, ce qui permet une flexibilité énorme, un coût moindre, parce qu'on n'a pas le overhead, on n'a pas les, 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 les grosses bagnoles des directeurs, on n'a pas, etc. On les rassemble et puis une fois que le projet ou l'action est fini, ben voilà, on se disperse, on travaille sur d'autres clients, on revient vers ce client-là si besoin est là. Donc ça, c'est une chose et je crois que c'est une façon de, de, de travailler de façon très flexible, mais aussi pour le, pour le professionnel de communication que vous devenez après que vous devenez euh, consultant indépendant ou pas, euh, vous allez travailler dans un environnement qui permet cette flexibilité euh, et qui est toujours mieux que de se retrouver dans une grande structure où, euh, disons, les choses bougent moins vite. Ça, c'est une chose. Après, pour revenir vers euh, ton point sur la communauté, ben, enfin, <laughs> enfin, on a compris <laughs> que chaque communication, que chaque plan de relations publiques commence avec euh, l'audience. Au centre mmh. de tout ce qu'on fait, et euh, je crois que cette pandémie a très bien montré. Euh, allez, soyons très clairs on a euh, du point de vue communication santé très simple garder la distance, porter un masque, lavez-vous les mains. Mmh. Allez, un quatrième faites-vous vacciner, mais ça, c'est mais les trois sont de base, c'est pas, pas euh, très compliqué. Mmh. Et on voit quand même que ça ne fonctionne pas dans certaines situations, dans certaines régions, dans certains pays. Alors que ces trois messages clés très simples. Et donc là, on voit qu'il y a quand même, euh, on a commencé à regarder, mais pourquoi, comment, euh, trois messages simples ne fonctionnent pas. Et, et je trouve ça très bien parce qu'on commence maintenant à travailler avec des sociologues, on commence à travailler avec des anthropologues, on commence à travailler avec des gens qui sont spécialisés dans... Euh, le behavioral euh, science, donc les. Ouais, tu traduiras, mais hein, on, on va comportemental, parler, hein. on Les biais cognitifs, le pourquoi, mmh. etc. Mmh. Et, euh, et en tant que professionnel de communication depuis plus de 25 ans, je me dis enfin, on comprend que ce n'est pas juste envoyer quelques messages vers un public cible et voilà, l'affaire est faite. Ça n'a jamais été le cas. Mmh. Euh, mais maintenant, on, on, on voit que ça ne fonctionne pas avec trois messages très simples. Euh, en plus de messages de santé qui, qui doivent protéger des gens, quoi. Euh, ouais. Et donc ça, pour moi, je vois ça comme un, un changement très positif. Ouais. <laughs> euh, alors, c'est Vlog la l'avis de Philippe sur le passe vaccinal français. On n'est pas là pour discuter du passe vaccinal ou de, ou de la pertinence du passe vaccinal, mais par contre, dans la communication qu'il peut y avoir derrière, effectivement, ça, euh, les pays ont, ont gardé tous forcément leur indépendance dans leur capacité d'action, de décision aussi, oui. et donc forcément des communications qui, qui sont parfois différentes selon les pays. Euh, ça, ça, doit être, euh, ça doit être aussi un truc qui doit être compliqué à gérer, ça, parce que forcément l'information, elle circule mondialement, et on voit bien euh, au Canada ou en France ou dans des pays anglo-saxons, la, la gestion de la crise est différente, mais donc la, la communication est différente aussi. Oui, et euh, d'un côté, elle doit être différente, parce qu'à chaque fois, elle, comme je viens de dire, on s'adapte. On s'adapte clairement à la, à, euh, déjà aux citoyens, mais alors le citoyen, il n'y a pas le citoyen lambda, il hein, y, y a différentes communautés. On revient avec le mot communauté. Euh, mm -hmm. Moi, je me souviens, j'étais euh, euh, en janvier, euh, je travaillais euh, au Maroc. J'étais mm -hmm. déjà ici, je vivais déjà au Portugal, mais j'avais encore des clients là-bas. Et euh, je faisais une formation de, justement sur la com' des crises avec un client euh, gouvernemental là-bas. Et euh, on devait faire une formation dans une salle, voilà, face to face, à 40 personnes. Et euh, on devait faire ça le week-end. Et le jeudi, je lui dis écoute, je crois que ce n'est quand même pas une bonne idée de se mettre à 40 dans une salle. Hein, il y a quand même <laughs> déjà eu quelques messages assez importants. <laughs> uh -huh. euh, non, 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 mais euh, le gouvernement n'a pas encore pris de décision. Donc euh, ça continue. Ok, très bien. Le vendredi, naturellement, on m'appelle. On me dit "Bah ben, écoute, Philippe, euh, en fin de compte, on va pas faire la formation. On te met sur un avion, quitte le pays aussi vite que possible." Euh, mais euh, pour revenir vers la communauté, euh, en allant vers l'aéroport, j'appelle mon gars. Au Maroc, on a son gars. On a le gars qui, euh, <laughs> qui est la personne de contact avec son petit taxi ou son grand taxi ou n'importe. Mais c'est le gars que t'appelles. Hop, on se connaît. Et donc, euh, je, je vois Mohamed, qui, qui est un vieux monsieur de 65 ans, qui a toujours roulé avec moi au Maroc, euh, adorable, je connaissais fa sa famille, on faisait le couscous, etc., le vendredi. Et je dis, écoute Mohamed, euh, protège-toi quand même, parce que toi, dans ton taxi, euh, je dis, <laughs> et là j'ai fait ma première faute. Je dis, écoute Mohamed, euh, déjà, euh, lave-toi quand même tes mains régulièrement, parce que... Et il me regarde, il commence à rigoler, il dit Mais Philippe, ça fait 4 ans qu'on roule ensemble, tu sais quand même que je suis musulman, que je me lave les mains cinq fois par jour, mec Et donc, c'était un très bel exemple de, de se dire il faut connaître ces communautés, il faut exactement savoir comment ils vivent, comment leur, euh, leur perception de risque, déjà, est complètement différente. Entre hommes et femmes, il y a déjà une grande différence. Donc, déjà, on est, on, on est bien parti. Mais donc, on doit regarder les communautés, bien les comprendre. Alors, pour revenir vers euh, ce que tu disais, euh, les pays, ben oui, c'est sûr que chaque pays va gérer ça différemment, ils devraient le faire, mais en même temps, ils doivent aussi euh, adapter leur communication en différentes communautés, au sein de leur propre pays. Et, et donc là, euh, de nouveau, je crois qu'on on, on commence à apprendre que non, il n'y a pas de euh, general public. Ça n'existe pas en communication, ouais. certainement pas en communication de crise ou de risque, et certainement pas quand on parle de santé. Hashtag euh, les gens, c'est fini quoi. <laughs> Pardon? Hashtag les gens, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, euh, et certainement pas dans des conditions de, 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 de situation de crise hmm. ou, ou de risque, puisque euh, déjà à la base les perceptions de risque sont très différentes. J'ai un autre exemple. J'ai travaillé. En, en Afrique, euh, quand même une, une mission de 18 mois, euh, j'ai fait le Liberia, le Sierra Leone. Il ne faut pas expliquer à ces gens le danger d'une épidémie. Malheureusement, ils ont déjà eu 2, 3, 4 épidémies sérieuses d'Ebola. Ouais. Leur perception des risques est complètement différente. Ouais. Euh, et, et donc, ça, c'est très important. Il okay. y, y a Romain dans les commentaires qui pose la question de, des communautés, c'est aussi la question de l'incarnation de l'entreprise par ses dirigeants, salariés. Comment, euh, comment on fait C'est l'adéquation entre le, euh, comment, comment la mission, la vision de l'entreprise s'incarne par, entre... enfin, oui, par, par les salariés, par ses dirigeants. Euh, faites ce que je dis et ce que je fais <laughs> pour bien faire. Euh, quels, sont les, quels sont les conseils que toi tu, tu, tu recommandes comment... Mais Je crois que là aussi ouais. il y a d'énormes mouvements. Hein. On, on parle de, euh, du grand départ, euh, des gens qui, euh, qui se sont dit bah, écoute, pour moi, non, je ne reviens pas vers un, un environnement de travail euh, normal. Euh, ça n'a jamais été normal, de ce... <laughs> en tout cas pas pour moi, et toi pas non plus, Damien. On n'a jamais mmh. travaillé dans un système de 9 to 5. Allez, au début, mais, mais on a vite compris que ce n'était pas le, le système. Euh, là aussi, il y a un énorme changement qui se passe un petit peu partout au monde. Euh, que ce soit des gens qui se disent j'en ai marre, je mets comme indépendant, ou qui se disent non, je veux beaucoup plus de flexibilité. Euh, en même temps, ça pose énormément de questions aussi. Quel est le, le rôle des entreprises Et là, je, je, l'année prochaine, on lance l'Association internationale des, de, de communication de crise et de risque, puisque... C'est quand même des métiers différents, alors qu'il y a des synergies. Mmh. Et on l'a vu avec, euh, avec euh, cette, cette pandémie, c'est que tout à coup, une entreprise devenait aussi responsable pour la santé de ses employés. Je veux dire, pour la communication de santé autour de. Mmh. Euh, ce qui est quand même assez. Euh, pour beaucoup de gens, comme internes, ils ne savaient pas très bien comment faire. Euh, et en même temps, le relationnel entre l'entreprise et l'État. Comment est-ce que la guidance que l'État donne reflète sur l'entreprise Comment eux, ils gèrent euh, Et donc, là où il y a une, une synergie, euh, ou parfois il n'y en a pas, mais qu'on a vu que du point de vue communication, on doit créer des ponts entre les communicateurs de risque et de crise, mm -hmm. du secteur privé, aussi bien du secteur euh, public, en engageant justement ces communautés. Donc, Très difficile pour les entreprises parce qu'on a vite à, à les critiquer, etc. Mais euh, j'ai parlé avec beaucoup de, de collègues en communication interne euh, qui ne savaient pas du tout comment faire. Hein. Une fois, c'est on rentre au boulot, deux semaines mm -hmm. après, c'est ah non, non, pas du tout. On revient vers le téléworking. Euh, après, ça change nouveau. Euh, en, en même temps, ils voient qu'il y a des gens qui ne reviennent pas du tout, qui partent, qui, prennent, qui donnent leur démission. Qui... Donc, ça a été quand même assez dur et ça continue à, à être et incertain. Et donc là, oui, euh, il y a plein d'études qui se font maintenant sur cet aspect de communication interne. Je le dis toujours, c'est euh, une chose de positif, c'est qu'au au moins maintenant, la com interne a reçu son label d'importance euh, qu'il aurait toujours dû avoir. Euh, quand je discute des, des scénarios de crise, par exemple, avec des entreprises, des, des clients privés que j'ai toujours, je leur dis, vous savez, votre première communication que vous faites en cas de crise, c'est en interne, hein, ce n'est pas en externe. Hein. Euh, et ça, ils oublient souvent. Salut, euh, salut Price. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions à, à, poser, à, à poser à Philippe. Euh, concernant cette... Euh, alors la, la façon dans laquelle aussi tout ça est en train de... Salut Matt, bonjour, bonjour. On est avec Philippe, euh, Philippe Boromans qui euh, voilà, est, est chargé de gérer les risques on l'a bien compris risques et, 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 et crise ce sont deux choses qui sont différentes comment tu imagines toi que euh, les entreprises vont continuer à devoir s'adapter on, on, on travaille avec les étudiants de l'IEX pour l'instant euh, sur une notion de ce qu'on appelle le workation euh, cette cette tendance qui est de, voilà qui qui, qui, bah, qui s'affirme de se dire euh, travailler tout seul chez soi Derrière un écran, bah c'est pas très euh, feng shui, et en tout cas en termes de culture d'entreprise. Ça détricote quand même beaucoup de choses. C est, c est, ça met du temps à se construire une culture d'entreprise, euh, mais et en même temps dire aux gens bah, reprends ton train, ton tram, ton bus, ta bagnole et fais deux heures de trajet pour venir t'asseoir derrière un ordi euh, au bureau, ça n'a plus beaucoup de sens non plus et ça va être très très compliqué de ramener. Euh... Il y a beaucoup d'entreprises qui ont difficiles ça de, de de faire revenir les gens euh, au boulot. Euh, comment comment toi tu vois l'évolution à la limite même du travail en tant que tel euh... Ouais non mais je crois que il y a il y a de, des entreprises qui vont comprendre et il y en a d'autres qui vont revenir vers euh, le, le business as usual. Euh, je te donne un exemple. Moi, j'ai travaillé 10 ans pour IBM de 99 jusqu'en 2009. Je n'ai jamais eu des heures fixes. Je n'ai jamais eu un emplacement fixe. Et on parle de 1999. Mmh. Donc, ce n'est pas nouveau. Euh, quoi. Nous, on... Oui, nous, on avait des heures flexibles. Le, le seul, le seul euh, disons, le, le... Oh là. ça c'est chez moi, c'est pas grave euh, le, le seul truc c'était euh, dans le genre, voilà euh, on a des objectifs clairement définis tout le monde les avait euh, management by objectives et c'était, euh, tu travailles euh, où et euh, quand ça t'arrange le mieux et tes clients, que ce soit des clients internes ou externes, mm -hmm. that's it et donc moi parfois je, oui, parfois je je venais plutôt au boulot. Parfois, je ne venais pas du tout au boulot. Allez, je veux dire, à, à, au QG. Euh, parfois, euh, je partais un petit peu plus tard. Je faisais le matin à Waterloo parce qu'il y avait un, un satellite office, comme on disait. Euh, je restais là après le lunch. J'avais peut-être un meeting au QG, mais je partais avant les premières files parce que j'arrivais à la maison. Euh, et après, je, voilà. Donc, cette flexibilité, il y a plein de boîtes qui devront. Euh, le faire. Après, je crois qu'il euh, faut aussi respecter ce que l'employé veut parce que pas tous les employeurs, euh, pas, pas tous les employés euh, veulent travailler à la maison. Il mm -hmm. y a des gens qui veulent retourner à leur, à leur QG, euh, commencer à 9h, terminer à 5h et voilà. Il faut, faut respecter ça aussi. Donc, ce sera de trouver un moyen de flexibilité. Euh, et je crois que là, le management by objective, ce qui est quand même un principe de management bien compris, fonctionne très bien. Et que s'il y a des employés qui se disent, bah, écoute, euh, je voudrais changer mon contrat, je veux encore travailler pour la boîte, mais en tant qu'indépendant, oui, mm -hmm. why not? Flexibilité de nouveau. Et pour ceux qui veulent quitter, euh, ils quittent. Mais je crois qu'une entreprise standard comme on les avait dans le bon vieux temps elle ne va pas tenir très longtemps euh, et que tout tournera autour de la flexibilité de l'employeur qui devra, oui, revoir euh, qu'est-ce que c'est une culture d'entreprise, qu'est-ce que c'est la vraie collaboration. Euh, et tu sais, Damien, à la fin, ça revient toujours, euh, Do we trust our employees or not? Parce que ça, on l'a vu. Euh, au début euh, où les réseaux sociaux euh, s'intégraient ou, ou, ou venaient frapper à la porte des entreprises, euh, c'était parfois quand même incompréhensible que, en moyenne une entreprise, je crois, pour trouver l'employeur qu'il leur faut, ils dépense entre 5 et 10 000 euros de mm -hmm. recrutement. Mm -hmm. Donc déjà, tu, tu dépenses pas mal de fric. Tu vois euh, une cinquantaine de personnes tu fais euh, 3-4 rondes d'interviews qui te prennent du temps, etc. À la fin de la journée de 5 ans, tu en garde un ou une personne. Le professionnel que tu veux. Tu le mets derrière un PC. Après, tu lui dis, mais, mais attention, hein, tu ne peux pas toucher aux réseaux sociaux hein, parce que tu ne lui fais pas confiance. J'ai jamais compris ce truc, mais ça revient mmh. à chaque fois la confiance et le relationnel entre une entreprise et un ou une employée. Et pour mmh. les étudiants... Mmh je voudrais dire, le jour où vous commencez, vous, vous signez votre premier contrat, mettez dans votre tête que vous travaillez avec une entreprise, pas pour une entreprise. Ça change la donne dans votre tête et ça changera votre relationnel avec votre employeur. Vous travaillez avec une entreprise. Vous donnez votre temps, qui est la seule chose que vous avez et que vous ne pouvez pas créer. <laughs> N'oubliez pas ça. <laughs> Euh, vous le donnez à cette entreprise qui est votre partenaire et vous recevez probablement un salaire de retour. Mais vous ne travaillez jamais pour une boîte, vous travaillez avec une boîte. Mettez ça dans votre tête, ça vous aidera, je crois. Et ça fait écho. Chez Mathéus aussi, évidemment, Mathéus qui, qui voilà, donne cours aussi à beaucoup d'étudiants et qui travaille aussi beaucoup comme euh, voilà dans, dans ces aspects de relations avec euh, avec les communautés. C'est un mindset en fait. Hein. C'est quand on parle de culture numérique, c'est vraiment un mindset de se dire je vais de qui est-ce que j'accepte de l'argent pour euh, mettre ma force de travail au service d'une vision déployée par une entreprise. Et c'est d'où l'importance aussi que cette vision elle soit réaffirmée suffisamment souvent. De manière suffisamment concrète aussi, parce que parfois la vision c'est très éthéré. Euh, oui. euh, entre la vision qu'un CEO peut porter et puis comment le micromanagement se fait parfois oui. de manière <laughs> très très euh, drastique et méridionale au quotidien, il y a parfois de la, il y a parfois de la marge. Euh, merci pour ce mindset, Philippe dit, ces euh, bah, euh, voilà Manifestement, ça fait aussi écho à, à des situations vécues euh, euh, par d'autres. C'est euh, aussi un enjeu de. On se rend bien compte qu'il y a pas mal d'entreprises aujourd'hui qui fonctionnent et qui sont nées en remote d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose oui. aussi qui, qui, euh, euh, qui était typiquement Silicon Valley, typiquement euh, automatique, euh, WordPress qui, ou, ou Buffer ou des boîtes comme celle-là, qui sont des boîtes d'ailleurs très actives, Social, etc., qui ont, qui ont très vite dit on va arrêter de louer cher et vilain des, 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 des bureaux downtown à San Francisco. Par contre... L'argent qu'on a économisé avec euh, la non-location de ces espaces-là, on va se mettre en, en résidence 5, 6, 7 fois par an avec tout le monde pour se mettre en mode culture d'entreprise et boire des coups et plus euh, si affinités ouais. euh, dans ces cas-là. Ça, c'est quand même des choses qui. Est-ce Est que toutes les entreprises vont être capables de faire ça Non, 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 parce qu'il y a des entreprises qui, du point de vue de, de, de leur industrie, par exemple, ne pourront pas le faire. Mmh. Mais quand on regarde l'industrie des services, euh, là, je crois qu'il y en a pas mal qui pourront euh, trouver une certaine façon de, de, de se réorganiser. Mm -hmm. euh, mais on le sait tous, hein, euh, les, les... parce que ce seront des réorganisations hein, culturelles, mais structurelles aussi. Donc, il y aura des départs, volontaires ou involontaires, mm -hmm. euh, mais il y aura aussi, j'espère quand même, des nouveaux formats de collaboration. Euh, qui euh, qui vont être implémentés et le, le le temps est là je crois que euh, si cette cette pandémie aurait duré six mois bon après on mais là on en est on va rentrer dans la troisième année mmh. et, et et on voit que euh, certains entreprises ont quand même pris le temps de repenser le relationnel avec, euh, avec leur, euh, leur public cible plus important, qui sont leur, euh, leurs propres employés. Et donc, mm -hmm. il, y en aura, il y en aura qui ne pourront pas le faire, d'autres qui pourront le faire. Euh, mais je, je, je crois que ce sera aussi un moment pour beaucoup de gens, et je le vois autour de moi, euh, pour se dire, mais bah, qu'est-ce que moi je veux faire est-ce que je veux encore rentrer euh, dans une, un certain relationnel avec une, une entreprise ou pas? Est-ce que je veux commencer comme indépendant? Est-ce que je veux par faire partie d'un réseau fluide, euh, euh, comme beaucoup d'agences de relations publiques? Hein? Il y a des agences de relations publiques qui, qui, qui se sont créées juste avant et aussi pendant euh, cette pandémie et qui travaillent complètement en, en distanciel, en, en fluide, euh, qui mm -hmm. se regroupent. Comme tu dis, quand ils ont le quand le moment est là, ils se, il se voient en face-to-face -face quand c'est possible. Après, tout le monde repart dans leur coin de, au monde. Euh, il y a aussi naturellement tout cette, cette euh, ce, ce, ce digital nomad euh, principle qui qui a, qui a trouvé euh, quand même qui a, qui a été prouvé quoi, que On voit qu'il y a des gens qui construisent comme moi par exemple. Moi, je, normalement, je partais en mission Afrique etc. Là, depuis ouais. un an, bon, euh, je je suis oui un an. Là, je viens de repartir en courte mission, euh, mais euh, mais voilà donc j'ai continué à, à travailler comme euh, comme le reste de mes journées. C'est vrai que c'est plus sympa de par exemple quand je dois former euh, des gens des, des ministères de santé en communication de, de risque, c'est plus sympa de le faire en face-to-face -face dans, dans une salle et après on, on a comme tu dis on on a un lunch un dîner après. Euh, quand on est en Afrique, on danse aussi le soir, c'est standard. Euh, <laughs> mais, euh, mais voilà, on, on l'a plus fait, mais ça n'a pas évité que voilà, les, les formations et les, les, les plans de, 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 de com ont été faits quand même. Euh, T'as des, des bons exemples ou des trucs qui toi t'ont frappé où tu t'es dit ah putain ça c'est malin ils ont, ils ont bien joué le coup euh, ces derniers mois, ces dernières années des entreprises, des marques, des trucs qui ont rien à voir avec, enfin euh, euh, on va dire rien à voir avec le contexte, si forcément ça a à voir avec le contexte mais c'est peut-être sur des opérations particulières ou sur, sur d'autres gestions de crise parce qu'il n'y a pas que la crise sanitaire, il y a eu plein d'autres crises à, 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 euh, T'as deux, trois exemples des trucs où toi tu t'es dit bah, bien joué là mais euh, ce que, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai vu des, des, des cas parce qu'avec euh, l'Association internationale de relations publiques, dont j'étais président jusqu'à maintenant, l'année prochaine, c'est fini. Euh, chaque année, on fait un, une sorte de compétition, on, on regarde des cas d'études, on les reçoit d'un petit peu partout au monde. Et là, il y en avait quand même, où je, où je me disais, voilà, cette entreprise ne devait pas faire ceci. Euh, ce n'est pas du greenwashing, ce n'est pas euh, « Ah, on fait du CSR euh, », mais euh, qui, qui ont compris qu'ils avaient un rôle à jouer structurel à long terme. Euh, J'explique qu'il y avait une entreprise euh, qui euh, voyait le problème venu des employés et qui se disait « Voilà, je suis en situation telle, euh, on parle de pays de l'Est ». Donc le nom de l'entreprise ne dira rien, euh, mais où l'impact de justement de, de, de cette pandémie avait sur des, des personnes âgées. Okay. Là au sein de l'entreprise, ils ont tout simplement créé un réseau complet euh, d'extension de volontariat vers des personnes âgées, mais avec une vue plus long que euh, on fait le, on fait la campagne et on reçoit le prix et on a gagné et puis c'est fini c'est bien on le met dans le dossier euh, annuel euh, de CSR et c'est fait non c'est vraiment un projet structurel euh, ce qui veut dire que l'entreprise a reconnu son rôle de joueur euh, envers ses communautés a euh, intégré complètement l'employé dans chaque étape a euh, créé des budgets à côté pour assurer la pérennité et la complètement intégrer dans le rôle sociétal. Euh, et ça, je trouvais quand même euh, assez, euh, assez fantastique, euh, où parfois, on, on, quand on voit d'autres cas où on dit, ah, on va donner voilà, quelques, euh, quelques milliers d'euros de, pour un petit projet, c'est sympa, tof. Non, ici, c'était vraiment structurel et c'est intégré dans euh, la stratégie de l'entreprise. Euh, la stratégie, alors, c'est... Cool, hein? Ouais, c'est ça. Ça, ça qui est important, c'est l'alignement euh, ouais. et, et cette capacité aussi très très plastique de, de, de s'adapter, de profiter parfois de certains événements pour s'appuyer dessus, de faire un peu de, de news hacking. De de, de, de s'appuyer sur des événements voilà qui surgissent pour pouvoir en donner, dé, déployer et rester cohérent. Euh, c'est aussi une façon de... Euh, je sais pas comment toi tu perçois ça aujourd'hui par rapport aux influenceurs, par rapport aux créateurs de contenu, par rapport à tous ces relais d'opinion. On va les appeler tout comme ça qu'influenceurs, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, influenceurs en fait. Mais ces relais d'opinion qui ont plus ou moins de poids, plus ou moins d'influence, euh, à l'échelle des individus, en interne et en externe, c'est quand même des, des dynamiques là aussi qui ne sont pas très nouvelles, parce que... Je me souviens d'une époque où on non. disait ça sert à rien de mettre dans votre bio Twitter que vos tweets n'engagent que vous, c'est du bullshit absolu. Oui, c est, c est... <laughs> Mais c'est d'autant plus valable sur TikTok, c'est d'autant plus valable. Enfin, des ouais. exemples comme ça, on en a, on en a un paquet. Des gens qui se sont retrouvés, euh, qui se sont fait virer ou qui ont été engagés par leur présence sur les réseaux sociaux. Euh, c'est pour les étudiants qui sont là, c'est à ne pas négliger non plus. Et que du contraire, pas attendre qu'on ait le diplôme sous le bras pour montrer de quel bon chauffe. C'est un peu ça aussi euh, l'idée. Oui, et, et je crois que surtout pour les étudiants, là, euh, euh, quand, si et quand vous publiez, vous vous engagez via les réseaux sociaux, vous avez un blog ou Twitter feed ou n'importe. Euh, soyez fiers, hein, euh, vous, vous écrivez vos mots, hein, vous communiquez, donc euh, « stand behind your words <laughs> euh, ». C'est très important, je crois qu'il faut, euh, surtout avec tout ce qui se passe, il, il faut avoir une voix, euh, n'importe un de, 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 de ce que vous dites, euh, avoir déjà une voix s'exprimer est le plus important. Après, les réactions viendront, il faut naturellement être prêt pour avoir des réactions positives aussi bien que négatives, euh, mais euh, oui, c'est ça le... le je crois que c'est ça le, le, le plus important de, de communiquer, de publier en ligne, euh, c'est de, 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 de croire dans les mots que vous mettez sur écran et, et aussi de les défendre. En revenant vers les influenceurs, comme tu dis, mmh. euh, Damien, ce n'est pas nouveau le concept d'influenceur. Tu sais, avant les réseaux sociaux, euh, je me disais toujours euh, les influenceurs se retrouvaient dans les grosses boîtes, autour de, euh, du poste café euh, ou euh, le coin fumeur. C'est là, là où les, la vraie communication interne se passait, c'est là où les influences se faisaient. C'était mm -hmm. pendant les lunchs et les dîners après, after work. Euh, c'est là où l'influence commence. Euh, parce qu'on sort du système traditionnel d'influence qui est le management line. Euh, une fois dehors, on a ce que moi j'appelle de l'influence. C'est différent que de, de rapporter dans une ligne ou de faire un business case. Ça, c'est standard. Mais la vraie influence se fait en dehors des circuits officiels. Et, euh, et je sais très bien que quand je commençais, euh, je, je, je fumais, euh, les fumeurs se retrouvaient. Et, euh, et c'est là où, voilà, je faisais mes connexions en tant que, pour vous dire, en tant que responsable de communication, de relations publiques. On est quand même très près de la direction. Hein. On est une extension de la voie de la direction, si on veut le voir comme ça. Mais moi, j'avais un super relationnel avec les, les représentants des syndicats, tout simplement mm -hmm. parce qu'on se trouvait à, avec un verre et une clope, et on avait un respect, respect mutuel, et il y avait un équilibre dans, dans dans ce relationnel. Si on suit une ligne de management ou une structure officielle, c'est impossible. Donc c'est ça l'influence, le, le, je crois. et euh, mm -hmm. Et naturellement, bon, avec les réseaux sociaux, ça se fait euh, d'une autre manière. Mais le principe reste exactement le même, comme tu, comme tu dis, ce n'est pas nouveau. Oui. Hein ouais. Et d'où l'importance, si on transpose ça à l'univers numérique, c'est de participer à des Discords, c'est de participer à des groupes Facebook, c'est de participer à des, euh, à des événements bientôt dans les métavers en allant juste passer du temps euh, juste à discuter, en fait. Ouais. Parce que si on n'est que dans de la com push... Euh, et qu'on cherche juste à vendre euh, son tapis, on est juste des vendeurs de tapis, en fait. Et, 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 et ça, ça se voit, ça se sent. Les, les influenceurs ou les créateurs de contenu qui sont juste des relais de dropshipping euh, dégueulasses, ça finit par se voir quand même à un moment donné. Euh, très, très fort. Et ce n'est pas, pas ça qui est de nature à créer de la confiance. Oui, et en plus, je crois que des, des gens qui font du. Moi, j'appelle ça du SOS, euh, sending out stuff. Mm -hmm. euh, <laughs> les gens qui font ça rate aussi euh, toute ces, cette, cette information super intéressante qui est le feedback, qui est le retour, qui est qui sont les réactions. Parce que quand mm. on, on ne fait qu'envoyer, euh, on sait, on peut avoir euh, un impact quelque part, c'est certain. Mais ce qu'on ce qu'on n'a pas, si on n'écoute pas, si on n'engage pas, si on ne rentre pas dans une conversation bidirectionnelle, euh, mm. on, on perd tout tout cette, ce feedback qui, qui, est, qui est justement au centre d'un bon plan de relations publiques et de communication. Euh, c'est là où on, on, on entend les réactions des, euh, des parties prenantes, euh, des, des audiences, euh, et c'est ce qui permet aussi, de, après, d'adapter et de reformater un plan de communication ou les messages clés, ou, etc. Donc, si on, oui, si on ne fait que du send, sending out stuff, du SOS, on rate beaucoup de choses. Hein. Ouais. et en parlant de lunch je vois que dans le chat il y a Mathéus et, et Chaos euh, qui, qui se remémorent les, les, les bons moments passés à bouffer avec chaud euh, pour un chaud pour un Big Joe euh, et un oeuf bah ouais ouais moi aussi c'est vrai qu'il commence à faire faim il, il, va, il va bientôt être midi il y a, il a une heure de décalage non avec euh, le Portugal je pense euh, il est quelle ouais, heure oui il est presque 11h donc euh, ah voilà ouais. nous on s'approche dangereusement du temps de midi et effectivement ouais, ouais. parler d'un Big Joe avec un oeuf ça va euh, euh, tu, tu vois d'autres choses sur lesquelles tu aurais aura envie de pouvoir challenger les, les, les étudiants Parce que c'est vrai que euh, eux, ils sont à deux doigts de se retrouver sur le, sur le marché de l'emploi. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, d'ailleurs, dans le... Dans oui, le... allez-y, n'hésitez hein, pas. C'est euh, moins, moins non, facile, évidemment, que... de le faire de, 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 comme ça en public, mais euh, voilà, c'est aussi... Accessible. non pour, pour les étudiants, euh, je crois que si vous êtes vraiment... Euh, si le... Si vous avez vraiment la, pa la passion pour un métier de communication, de relations publiques, euh, je crois que c'est une généralisation, mais on apprend plus et beaucoup plus vite en travaillant, par exemple, le premier job en agence, mm. euh, tout simplement parce que quand on commence en agence, ben, euh, on travaille euh, sur plein de choses différentes. Sur une journée, vous pouvez travailler sur quatre trucs différents. Euh, généralement, les agences investissent quand même un petit peu plus dans votre formation aussi, euh, mais c'est surtout la diversité des projets des clients euh, où, là, personnellement, moi j'ai appris énormément en un cours de temps. Mm -hmm. Après, euh, il faut être passionné. <laughs> euh, J'aime bien la façon ouais, dont tu plaises tes mots à ce moment-là. <laughs> Ce n'est pas un hobby. Euh, Ce pas un hobby. Il faut être passionné ouais. parce que, allez, il faut bien comprendre euh, chaque personne qui, a trava qui travaille en relations publiques ou en communication, qu'il soit spécialisé ou pas, en com' de crise ou de, de com' de risque, euh, comme moi, euh, ça fait quand même plus de 600 jours qu'on travaille jour et nuit non-stop. Mm. Ça a un impact mental notre santé mentale. On ne peut pas être très fier dans notre secteur quand on parle de ça. Mm -hmm. euh, donc, ce n'est pas toujours euh, top, top et lunch and a cocktail after hour. Ça, ça se fait. Mm -hmm. <laughs> Mais euh, c'est un métier, il faut être passionné. Sinon, je ne crois pas qu'on fasse, un, un bon boulot, et de deux, euh, qu'on ne tient pas à long terme. Euh, et donc, ce qu'il faut aussi dire, euh, quand vous commencez à, à travailler, euh, prenez soin de votre santé mentale parce que on sait très bien que notre métier est hyper stressant, euh, qu'on est toujours en deadline, euh, qu'on doit pouvoir gérer des changements euh, tous les cinq minutes. Euh, et donc, faut, faut, je crois qu'il faut avoir une certaine attitude et, et, et certainement une passion pour faire ça bien. Mmh. Euh, euh, en même c sens, c'est ça, ça, ça qui est excitant aussi. C'est ça qui est excitant aussi, c'est que c'est que on sait pourquoi ah oui. on se lève le matin. Euh, on, a, on a un drive et le jour où il y a plus le drive, euh, faut faut changer, faut faut bouger, faut faire autre chose. Il faut, quoi. Ouais. Et voilà. il faut changer et sachez aussi que euh, c'est le métier qui est le plus difficile à expliquer à d'autres personnes. Euh, je le fais depuis euh, 27 ans, mes parents ne comprennent toujours pas ce que je fais, mais bon ça, il faut accepter. <laughs> Pendant, pendant que dans le chat ils sont en train de s'arranger pour savoir où ils vont aller bouffer. Euh, oui. pas euh, moi je vais te remercier Philippe encore d'avoir passé du temps comme ça avec nous et avec avec les étudiants. Évidemment on en aura le replay qui sera qui sera disponible qui sera qui sera sur YouTube et où les étudiants pourront le récupérer ou tout le monde aussi. Si vous avez voilà, si vous étiez dans le chat avec nous aujourd'hui, euh, n'hésitez pas à nous faire remonter aussi votre feedback par rapport à, par rapport à ça. On continue à, à essayer d'améliorer un petit peu le. Chapeau Philippe pour tout le travail fourni, nous dit Sefblock. Ouais, voilà. Roub, <laughs> uh, roub, roub aussi. <laughs> Salut, toujours un plaisir de suivre ta live. Merci beaucoup, c'est cool. N'hésitez euh, pas si vous avez des idées aussi hein, de gens que vous auriez envie de rencontrer, de, comme ça, de cette façon-ci, de pouvoir euh, prendre euh, trois quarts d'heure, une heure pour, euh, pour discuter avec des professionnels du monde des médias, du monde de la communication, du journalisme et des nouvelles technologies, parce que forcément c'est lié. Tout ça euh, aujourd'hui ah, ben, ouais. est fondamentalement lié. Donc euh, tous ces retours d'expérience sont toujours intéressants et, et, euh, et critiques, et dans tous les sens du terme, d'ailleurs, positivement et négativement, ça permet de savoir euh, bah, un petit peu vers où on va. Voilà. Encore un grand merci à toi, Philippe. Merci Damien nom. pour euh, l'invitation. Merci pour tout le monde pour euh, vos réactions. Euh, be safe, faites pas le con. Euh, passez de bonnes fêtes et euh, <laughs> meilleurs vœux pour l'année prochaine. <laughs> bah, tout le pareil pour toi. Et, euh, tu, reviens, tu reviens en Belgique quand tu disais on, on part euh, mercredi, on reste jusqu'au 5. Donc, euh, ouais. Faire le tour un peu des Grands-Ducs et puis. Euh... <laughs> C'est un peu ça. Ah bah écoute, euh, Paquette, euh, ce sera très simple. Hein. C'est okay. une frite et la bière. <laughs> Qui nous mette <laughs> C'est très easy. C'est comme ça. <laughs> ah, bah tiens, on veut du e-sport related. On est une guerre de retard en magique, mais les choses bougent et les forces se mettent en place. ah bah, Très, très volontiers, Roub euh, Roub. Envoie-moi des. Euh, des liens, n'hésite pas dans le, dans le Discord, hein, re retrouver euh, toutes les conversations qui ont lieu autour de tout ça dans le Discord. davanac.media, vous nous retrouvez là-bas, c'est là où on prépare les lives, c'est là où on prépare aussi euh, tout ce qu'on est en train de cuisiner sur les émissions euh, de télé avec Hélène24, entre autres. Euh, on est avec les étudiants, on est avec plein de gens qui. Euh, voilà, donc n'hésite pas, rebro, viens proposer des trucs sur l'esport très volontiers et, euh, et on se cale des trucs là-dessus. Voilà. Philippe, un tout grand merci à toi, à tout bientôt. Be safe, bye bye. <laughs> Ciao, à bientôt.